vous allez tous bien, alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes créations du mois d'août. Alors je sais, normalement je devais lancer le concours aujourd'hui, mais j'ai préféré faire cette vidéo là avant qu'elle prenne trop de retard, parce que sinon après c'est trop compliqué. Mais je prends le juré, la semaine prochaine je vous lance enfin le concours, hein, mais vous attendez pas un gros show, c'est un petit concours, ça reste un petit concours. Pas de partenaire, je veux pas de partenaire, c'est un petit concours, point barre. Enfin bref, vous verrez bien la semaine prochaine. Donc j'ai été extrêmement touchée, ça m'a fait énormément plaisir parce que vous êtes très très nombreux à vous être inspirés de ma canne kaléidoscope. Il y en a beaucoup qu'on fait et qu'on reproduit cette canne là. C'était vraiment génial, ça m'a trop fait plaisir et du coup ça m'a donné une idée. Vos créations sur ma chaîne, vous vous souvenez du système là, il y en a beaucoup qui l'ont fait pendant un moment. Et je me suis dit ça pourrait être sympa de faire aussi. Donc pas forcément de la canne kaléidoscope, mais toutes les créations que j'ai pu faire jusqu'ici. Si vous êtes inspiré de certaines de mes créations, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et je les publierai avec plaisir sur une prochaine vidéo dans ma chaîne YouTube. Peut-être une vidéo rien que pour ça, rien qu'avec toutes vos créations. Voilà, si jamais ça vous dit, pourquoi pas. N'hésitez pas à m'envoyer des photos avec vos créations, vous vous êtes inspiré des miennes. Ça, en plus, moi ça me fait super plaisir et puis moi j'adore, enfin bref. Si vous voulez, faites-vous plaisir. Non, voilà. En ce qui concerne aussi la proposition d'échange, je vais vous faire une petite vidéo récapitulative parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui fasse l'échange avec moi. Là je suis déjà à 5 personnes, c'est énorme. Je m'attendais pas à ça, je pensais pas que ça allait vous plaire en fait, si. Donc ça y est, j'ai trop contente. Ouais. Alors il me reste encore pas mal de petits trucs, mais il y a aussi pas mal de petits trucs qui sont partis, donc je voudrais faire une petite vidéo récapitulative. Donc là j'ai déjà reçu un échange, donc normalement demain je reçois 3 autres, parce qu'il y en a eu 3 personnes qui m'ont envoyé en même temps le jour même. Donc du coup ouais, normalement demain je devrais en recevoir 3 autres, mais je vais attendre de recevoir toutes les échanges avant de vous faire une vidéo réception. Parce que sinon après si je vous fais tout le temps une par une, ça va être compliqué. J'attends de recevoir toutes les échanges pour vous faire la vidéo. Il y aura peut-être du coup 2 ou 3 vidéos, je sais pas encore, ça dépend comment ça dépend. Enfin bref, vous verrez bien, vous aurez la surprise autant que moi. Voilà, je suis super touchée parce que j'ai vu en plus il y a pas longtemps que j'ai déjà 60 abonnés sur la 3ème chaîne YouTube, qui n'a toujours pas de vidéo d'ailleurs. C'est énorme, 60 en si peu de temps, c'est un truc de fou, donc merci de me suivre, c'est vraiment trop gentil. Et je vous promets, la vidéo va bientôt arriver. J'ai fait une petite commande pour faire justement des prochains DIY et du coup j'attends cette commande là pour faire cette vidéo. Je crois que je vais pas attendre, je vais poster quand même une vidéo entre temps parce que là sinon c'est plus possible quoi. Enfin bref, en tout cas merci de me suivre, c'est vraiment trop gentil, c'est super. J'adore, je suis trop fan. Donc moi je voulais vous montrer mes créations du mois d'août. Bon il y en a que... J'ai un petit peu grugé, excusez-moi, parce que sinon j'avais pas grand chose à vous montrer. Donc du coup il y a des créations qui datent de début septembre. Enfin on est combien là? On est le 9, donc ouais elles ont... Parce que ça fait 2 jours que j'ai rien foutu, donc ouais elles ont une semaine. Une semaine au mois de septembre. Enfin bref, on s'en fout. Allez, je vais vous montrer tout ça. Au final, il n'y a pas grand... Oui, il y a quand même des trucs, mais pas énorme, quoi. Bon, arrête. J'arrête de blablater, n'importe quoi. Donc j'ai refait du petit Mika Shift. Alors, par contre, j'ai créé mes propres couleurs, parce qu'en filmo, il n'y en a pas 36. Donc du coup, j'ai fait mes propres couleurs, à moi. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'ai ce petit bleu-là. J'ai mélangé de la filmo argentée avec du bleu pacifique. Du coup ça fait un... Voilà, si j'enlève le flash, est-ce que ça serait mieux? Je sais pas, moi je mets le flash pour qu'on voit mieux, mais ça se trouve on voit moins bien. Voilà. Ça fait un peu un bleu jean. On pourrait dire ça comme ça, vite fait. Et il y a le verso aussi. Il fait recto verso. Ça fait un demi-plastron. Il est petit. C'est grand pour un collier, mais c'est trop petit pour un plastron. Enfin bref, voilà, un petit bleu comme ça. J'en ai fait un petit violet. C'est pareil, j'ai mélangé de la fimo argentée. C'est la du Mika, la fimo argentée. Et avec un tout petit peu de pourpre ou lilas, lavande. Enfin bref, du violet quoi. Par contre là, du coup, j'ai mis trop de violet et le Mika ressort beaucoup moins. Il faut bien doser en fait, quand c'est comme ça, malheureusement. Ouais, du coup, la caméra, ça se ressort pas du tout. Et j'ai fait l'effet bombé que Cassimini nous avait montré. Là ça cache mon nez, ça fait trop bizarre là. Pardon. Donc ouais, voilà. Bon, malheureusement le Mika Shift là on le voit pas du tout. J'ai mis des petites perles violettes. Voilà, comme ça. Ensuite là c'est pareil, j'ai mélangé du bleu avec... Je ne sais plus.
Là, j'ai fait les deux mêmes couleurs, en fait, pour ces deux-là. Je crois que c'est le vert jade. Et je ne sais plus. Je crois qu'il y a au moins trois couleurs de mélanger de façon dans celui-là. D'autre côté, c'est juste nacré. Et donc là, j'ai fait une flèche. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de flèches parce que je suis une amoureuse du tir à l'arc. J'adore ça. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait. Et là, on est en train de se renseigner pour s'inscrire à un club. Sale bouche, dégage. Pardon. On est en train de s'inscrire à un club pour refaire du tir à l'arc. Ça va être une activité familiale. Parce que même mon chéri, il adore ça. Donc c'est génial. On va y aller tous ensemble pour faire du tir à l'arc. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fait plein de petites flèches. Donc là, il y en a une en Mika Shift aussi. Je crois que je vais remettre le flash parce qu'on voit rien du tout. Eh, tu l'as vu la mouche? Elle est sur moi là. C'est même pas une mouche, c'est un moucheron. Casse-toi. Et il y a le verso. Voilà. Et en parlant de flèches, justement j'en ai deux à vous montrer que je n'ai plus là parce que je les ai offertes à une amie, à ma petite Valérie. Parce qu'en début du mois d'août c'était son anniversaire, donc du coup je lui ai offert ces deux petits colliers là. Voilà, juste comme ça, c'est tout. Voilà, je lui ai offert ces deux petits colliers là que je vous montre tout de suite. Mais à ma façon, parce que j'ai regardé plein de tutos parce que ça a été la mode du turquoise, mais je m'y suis pas du tout pris comme tout le monde. En fait, moi j'ai rajouté de la feuille d'or. Là, c'est encore une flèche. Est-ce que ça va ressortir là? Voilà, feuille d'or. Par contre, là j'ai fait trop foncé celui-ci. Et il y a une petite bouboule avec. Je crois que je vais remettre le flash hein, parce que qu'en plus l'éclairage ça fait tout rouge à cause de mes rideaux. Et il y a tout le monde qui me fait chier aujourd'hui, c'est pas possible. Mes rideaux, la luminosité a fait tout rouge. Même moi j'ai l'impression d'être d'avoir mis l'auto-bronzant. C'est ça, fait carrément orange. Remets le flash. Mais... avec l'imitation turquoise, j'ai aussi fait une fiole avec plein de petites pierres. Petites pierres qui bougent, elles sont pas collées ni rien du tout, je les ai laissées comme ça. Et donc du coup là j'ai voulu faire un test pour voir le turquoise avec quoi il irait le mieux. Bien français ça dit long. Avec du doré ou de l'argenté? Les paris sont ouverts, vous préférez quoi? Doré ou argenté? Enfin ouais, voilà ma petite fiole avec des turquoises dedans. Avec plein de perles toupies turquoises. Les perles toupies, moi j'aime bien les perles toupies. Donc voilà, ensuite j'ai fait un style imprimé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur la polymère. Donc déjà j'ai celui-ci. Dans l'autre sens. Qui est une double chaîne en fait. T'as un espèce de petit ras-de-cou et t'as la création qui pend après. Bref, on s'en fout. Là il y a une petite feuille dorée. Je la trouve trop belle cette feuille-là, avec des petites perles dorées. Et en bas, on a ça. Là, j'ai fait un imprimé feuille dessus. Juste un petit bout de feuille. Voilà, comme ça. Là, c'est avec une plaque de texture. En violet. Bon, ça ressort bleu, c'est bizarre. C'est ma caméra qui délire parce que souvent, en fait, je me suis rendu compte quand je regarde là dans le petit... Parce que je regarde jamais là, je sais pas, je regarde à côté, excusez-moi.
Voilà, la couleur n'est pas du tout la même quand je regarde là que quand je regarde sur le PC. Donc en fait, à mon avis, c'est ce petit écran-là, il donne pas les bonnes couleurs. Parce que normalement, il est violet et moi là, je le vois bleu. Bon, bref, voilà. Avec la plaque de texture, en fait, tout simple, j'ai rien fait de spécial. J'ai laissé les reliefs. Mais je trouve ça trop bien. C'est tout simple, moi j'aime bien quand c'est tout simple. Ensuite, encore voilà. Une petite flèche. Une autre forme de flèche. Et là, j'ai fait un imprimé dentelle. Et j'ai colorisé avec du pastel vert et argenté, je crois. Ouais, c'est vert et argent. Enfin, nacré. En bref, voilà. C'est des petites perles. Noire et verte. C'est tout con à faire, c'est hyper simple. Mais moi, j'ai pas toujours avec les petits imprimés. Donc là, j'ai fait des imprimés par payant. Merci Mélanie d'ailleurs. Elle m'avait fait un cadeau, elle m'avait envoyé des petits tampons papillons. Voilà, moi je suis servie pour celui-là. Super, j'aime bien. Les petits papillons. Toujours dans le même style, enfin avec la même méthode. Là c'est un tampon fait. Alors quand tu vois comme ça, tu veux. Ça ressemble pas vrai. Enfin si, oui et non. Faut reconnaître quoi. En fait sa tête elle est juste là. Voilà, elle arrive. La macro a du mal. Là, sa tête elle est juste là. Après tout ça c'est ses ailes et puis là il y a ses petites gambettes. Mais voilà, j'ai fait un effet un peu bois ici et un autre bois derrière. De toute façon là on voit bien l'effet bois. Voilà, une petite fée. J'aime bien. Un peu, ça c'est un red food par contre. Du coup, il arrive. Là, c'est plus, ça n'a rien à voir. J'ai juste fait une petite pierre comme ça. Avec du perlex et de la feuille argentée. Non, c'est de la feuille verte. Ouais, ça se trouve, j'ai mis les deux. Je sais même plus. Ça faisait tellement longtemps que je m'en souviens. Il y a des trucs que je fais tellement manuellement que je me rends même plus compte de ce que je fais. Ça devient grave, mais très grave. Une petite pierre. Toute simple. Ensuite, encore une flèche! Mais différente. En fait, j'ai retrouvé des perles tubulaires, je sais plus comment c'est le nom. Tu sais, les perles comme ça, en fait, des grandes perles tout en long. Et j'ai dit, tiens, ça pourrait peut-être faire une flèche sympathique, ça. Donc voilà, j'ai mis il n'y a que ça en polymère, il n'y a que le petit bout de pâte là. Et à l'arrière, j'ai mis des petites plumes. Donc, ça fait une petite flèche comme ça. Mais je trouve ça trop mignon en fait. Il faut que je retrouve des petites perles comme ça, parce qu'en fait, je m'en étais débarrassée parce que je m'en servais pas. Mais en fait, ça peut servir. Moi j'aime bien, c'est trop rigolo. Moi ensuite j'ai fait une bouboule. Toujours plein de bouboules. Donc j'en ai refait encore plein des petites bouboules. En bref, là il y en a une en couleur arc-en-ciel. Petite bouboule arc-en-ciel avec des petites pampilles qui pendouillent. J'aime bien. Plein de perles toupies, puis des perles à facettes comme j'aime. Et pour aller avec, j'ai le petit bracelet. Voilà, il y a arc-en-ciel. En fait, il va comme ça, l'arc-en-ciel. Voilà, bref, un petit bracelet. Alors, ça m'arrive de temps en temps de faire de la gourmandise. Mais c'est occasionnel. Occasionnel. Oh, j'arrive pas à le dire ce mot-là. Voilà, j'ai fait juste un tout petit cupcake steampunk. Enfin, je dirais plutôt engrenage, parce qu'en fait, il y a juste 4 engrenages dessus, quoi. C'est tout. Il est tout simple, mais je le trouve tout mignon. Un petit cupcake comme ça. Ah, mais j'ai galéré ça à faire la chantilly. Purée, qu'est-ce que c'est chiant à faire! Oh, c'est la deuxième chantilly que je fais de ma vie. J'en fais jamais quoi. C'est la deuxième que je fais. Et pareil que pour la première, j'ai autant galéré quoi. J'ai utilisé la technique de Fancy Puppets où elle mélange de la crème hydratante. Oui, c'est de la crème hydratante. Moi j'en ai pas de la crème hydratante, j'ai que du lait de bébé. C'est du lait hydratant quoi, c'est du lait, c'est pas de la crème. Donc, du coup la texture n'est pas la même. Donc je pense que c'est à cause de ça, mais en fait j'en ai des plein les doigts. Ça collait, mais ça collait. Oh, alors soit, après je me suis dit, soit j'en ai mis trop de crème, ou soit j'en ai pas mis assez, ou soit en fait c'est le fait que ça soit du lait et non pas de la crème. En fait j'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment casse-couille à faire. Excusez-moi, encore une fois je vais être vulgaire. Ah non, mais j'ai galéré. Oh, puis en plus la douille. J'en ai qu'une et elle est énorme,
Donc par rapport au mini cupcake, j'ai dit c'était horrible. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup non plus, parce que j'arrive pas du tout à ce truc là, c'est infernal. Il y a plein de défauts à la chantilly, mais bon, je l'aime bien quand même au final. Et puis je me suis servi d'un engrenage en tant que bélière. Avec le petit ruban, la petite perle, et puis j'ai mis 3 couverts en bronze. Voilà. Ensuite là j'ai trouvé encore une autre technique. Alors j'adore. Alors par contre j'ai pas du tout... J'ai utilisé la même technique mais des couleurs complètement différentes. Et du coup ça fait 2 créations mais complètement différentes. Ça n'a rien à voir, pourtant c'est exactement la même chose. Elles sont pas du tout identiques. En fait là j'ai plus pris des couleurs froides et là plus des couleurs chaudes. Mais là faut dire aussi que j'y crois que j'ai mis un tout petit peu trop de couleurs dans celui-là. C'est pour ça que ça ressort beaucoup plus. Mais en fait pour ces créations là c'est exactement la même méthode que je vous avais montré pour faire l'effet craquelé. Du coup là c'est de l'isink aussi. C'est exactement le même matos, j'ai utilisé exactement le même matos mais pour un rendu complètement différent. Donc du coup, avec le peu de matériaux que j'ai utilisé, tu peux faire des millions de créations complètement différentes. Il suffit juste de changer quelques petits trucs par-ci par-là quoi. Donc c'est ça qui est excellent. Enfin bref, voilà 2 petits collés comme ça. Exactement la même technique mais pour un rendu complètement différent. C'est super. Alors là c'est le kiff total, c'est pareil, je viens de découvrir une nouvelle technique. Et mais comment je... Pour faire des créations, j'adore. Nacrée. Alors tu n'utilises pas que la pâte polymère nacrée, c'est vraiment pour donner un effet nacré sur vos créations. Donc là moi je l'ai fait en rose parce que je voulais faire des tests avant, donc je suis bon, c'est pas grave si c'est rose, si c'est foiré, c'est pas la fin du monde. En fait ça va pas du tout foirer et c'est extra, moi qui déteste le rose, cette création là je la trouve magnifique, j'adore. Elle a des multitudes de reflets à l'intérieur, c'est hallucinant, ça fait un effet nacré. Mais du coup vu que c'est du rose, moi là du coup ça me fait plus penser à du quartz. Pourtant j'ai pas du tout utilisé la film au quartz, hein. Rien à voir. J'adore, même à l'arrière du coup. Toutes les nuances qu'il y a, c'est hallucinant, ça fait des effets... Non je vais aller dire le miroir, mais non c'est même pas ça, c'est... Je sais pas comment dire. Enfin bref, il y a plein de... Oh, c'est trop bien. J'adore cette nouvelle technique là. Du coup, je vais la refaire, mais dans d'autres couleurs. Parce que là, je le kiffe. Du coup, j'en ai fait une autre après pour réessayer dans d'autres couleurs. Et là, j'ai pareil, j'ai refait du rose, mais j'ai mélangé avec un peu de bleu. Enfin, un gars et une fille. Et du coup, c'est pareil, il y a plein de reflets. C'est hallucinant. C'est trop fort. Moi, j'adore. Et j'ai fait un petit bracelet avec... Parce qu'il me restait... Ah, il me restait de la pâte comme ça, de celui-là, ce pendentif-là. Donc du coup j'ai fait un bracelet, mais à la place, j'ai rajouté des petites rayures noires. Du coup ça fait plus foncé que l'autre, mais ça marche quand même. J'ai fait un petit bracelet comme ça. Donc, un ruban rose vieilli, en organza. La petite perle qui va avec, puis au bout de la chaîne j'ai mis un petit cadenas. Voilà. Tout simple, il est tout simple mais j'aime bien. Moi qui aime pas le rose, et ben voilà. J'aime bien. Ah non, l'effet est nacré, mais alors là, franchement, je surkiffe quoi. Je crois que je vais en faire plein des trucs comme ça. Mais pas en rose. Ensuite, pour celui-là, je me suis inspirée du tuto de Fancy Puppet. Elle avait fait le Moku Megane aquatique. Donc, du coup, j'ai fait ce petit plastron-là. Ah, par contre, du tout, je me suis pas du tout prise de la même façon qu'elle. Parce qu'elle a utilisé de la cernite, mais moi, j'ai pas de cernite. Donc, du coup, c'est que en fimo. Mais en filament translucide, ils font pas beaucoup de bleu. Moi j'en avais pas du tout en tout cas, donc après je sais pas s'il y a beaucoup de bleu, mais moi j'en avais pas du tout, donc du coup j'ai dû créer mes propres bleus. Alors, j'ai utilisé que la filament translucide classique, la blanche, la translucide normale, et j'ai fait plusieurs petites boules, et dans chaque petite boule j'ai rajouté du bleu différent à chaque fois. Il y a du bleu pacifique, du bleu menthe, du bleu turquoise, et encore un autre bleu, je ne sais plus lequel. Bref, voilà. Et puis elle a utilisé de la fimo, n'importe quoi, de la feuille métallique dorée. Moi j'ai préféré faire de l'argenté. Parce que bah, je voulais pas faire comme elle non plus, parce que faire du copier-coller c'est pas rigolo quoi. Voilà. Du coup j'ai fait ce petit plastron là, avec plein de petits coquillages, aquatiques jusqu'au bout. Et il me restait de la plaque comme ça. Donc du coup. Ah, mais viens là. J'en ai. Un tout simple. L'arrière, j'ai mis tout nacré, tout blanc nacré. Voilà, un petit comme ça, tout simple.
Là j'en ai refait un autre, mais alors j'avais mélangé toutes les pâtes en fait, c'était des restes de pâtes qui me restaient et du coup ça fait pas du tout pareil. Mais pourtant c'est avec le mokume gane aquatique aussi. À l'arrière par contre ça se voit bien. Ça se voit mieux. En fait je me suis trompée de côté quand j'ai mis la création sur le verre pour lui donner un côté bombé, j'aurais pas dû mettre de ce côté là quoi. Mais bon, blonde jusqu'au bout hein. Bon c'est pas trop mal non plus par là hein. C'est vrai que j'aurais préféré de ce côté-là, mais bon. Voilà, ça le fait quand même. Et il me restait encore un peu de pâte. Du coup, j'ai fait une boule. Et là, je l'ai mis en bijou de sec. Un tout simple, un tout répliqué, tout simple. Avec plein d'effets, j'adore. Il y a plein d'effets. Voilà. Du coup, j'ai rajouté une petite sirène cassée sur une perle nacrée bleue. Une perle comme ça que je kiffe de trop. J'adore la forme et j'adore la couleur qu'elle a. Elle a plein de reflets à l'intérieur. Elle est irisée la perle. C'est la seule que j'avais. Bon bref, voilà. Une petite perle comme ça. Et un tout petit bout de ruban. Alors par contre là j'étais vraiment été radine sur le ruban. Un tout petit bijou de sac tout simple. Vraiment tout simple quoi. Donc là je continue avec les tutos que je vous ai fait. Donc je vous ai fait deux tutos ce mois-ci. Il y a un tuto qu'on m'avait réclamé. C'est celui de la méduse. J'ai fait tout simple, hein. Moi je l'ai fait tout simple la méduse. Je crois que Fancy Puppet a prévu de faire son tuto de la méduse, donc le sien sera mille fois mieux que le mien, ça c'est une évidence. Mais bah, voilà, on m'a demandé de le faire donc je l'ai fait quand même. Donc, une petite méduse comme ça, toute simple. Là j'ai fait le collier, il y a les boucles d'oreilles avec. J'en ai fait d'autres pour vous montrer d'autres exemples. Donc là j'ai fait bicolore. Bleu et violet. Oups. Bref. Et là encore une autre façon complètement différente. Un peu éloignée du sujet mais bon. J'arrive. Il voulait pas. Et tout se mélange, ça m'énerve. Une méduse comme ça. Et pourquoi pas? Voilà, il y a toujours le petit capuchon là. Et puis à propos, j'ai mis juste plein d'extensions de chaîne avec des petites perles au bout. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un autre tuto. On m'avait pas du tout demandé, mais ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait que j'avais envie de m'y remettre. J'ai fait une petite sirène. Voilà. Alors, je l'ai fait complètement disproportionnée. Mais c'était l'intention, hein, parce que de toute façon, une sirène, c'est une créature imaginaire, donc on a le droit de se permettre des folies. On voit plus du tout, on voit juste un œil. Enfin bref, une petite sirène comme ça. Elle est posée sur un support camé en gouvernail. Là, je vais y arriver. Elle est en bleu turquoise avec argenté. Bon, par contre, le visage, encore une fois, je l'ai complètement foiré. Je suis nulle à chier pour les visages, c'est hallucinant. Et j'en ai fait une deuxième. Bon, je sais pas, je vous ai fait celle-là en tuto et celle-là, je l'ai juste faite comme ça pour le plaisir. Une deuxième comme ça, dans un petit coquillage. Je suis obligée de la mettre comme ça, sinon elle rentre pas dans le cadre. Donc je l'ai pas montré dans la vidéo, mais en fait là j'ai utilisé moitié translucide et moitié normale pour éviter que les petites sirènes se cassent. Donc du coup la pâte elle est devenue souple. Je sais pas si vous allez voir. C'est souple quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est grâce à la fimo translucide, vos créations deviennent incassables. Mais attention à la cuisson, parce que moi j'ai fait la con. Donc ces deux-là elles sont incassables. Si, ça casse quand même, bien évidemment, mais c'est quand même plus souple que les autres créations. Et du coup, j'avais fait une troisième queue de sirène. Ouais, juste la petite queue de sirène, parce que je voulais mettre un petit collier comme ça, tout simple. Donc du coup, ouais, j'ai fait ces trois sirènes-là, on dirait sirène. J'ai fait ces trois sirènes-là en même temps. Je me suis exactement pris de la même façon pour les trois. Le même temps de cuisson, tout était tout ensemble, tout en même temps. Sauf que celle-ci, elle se casse en mille morceaux. On a l'impression que c'est du verre en fait. Bah déjà, il y avait un petit bout là qui est cassé. Là, la nageoire là, elle est cassée. Là, il y avait encore une autre nageoire que j'avais fait ici, elle est cassée. Là, je vous montre en fait. Hop, cassé. 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 À mon avis, c'est parce que la queue de sirène là, elle est beaucoup plus fine que les autres. C'est pour ça que, en fait, j'aurais pas dû laisser cuire autant de temps. Ou alors plus longtemps. Du coup, j'ai un petit peu de mal à m'en rendre compte.
Vu qu'elle était plus fine, le temps de cuisson n'était pas du tout le même. Du coup, bah celle-là, elle est morte. Elle se casse comme du verre. Donc celle-là, elle est foutue, malheureusement. C'est cool parce que je l'aimais bien, ça aurait pu faire super sympa, quoi. Et bon, bah voilà. Je fais des conneries. Et voilà. Donc ouais, bref. Donc faites attention à ça, au temps de cuisson, parce que c'est vraiment très important. Malheureusement, je peux pas trop vous aider, parce que je sais plus s'il faut laisser plus de temps ou moins de temps. J'ai un gros doute, là. Je ne sais plus du tout. Enfin bref, faut faire attention, quoi. Mais alors, du coup, celles-ci, c'est bon, elles sont souples. Les queues de sirène sont souples, donc elles sont beaucoup moins fragiles. Voilà, mais je vous ai fait le tuto de la sirène, en gros. Hein. Tout le reste, on s'en fout du blabla. Effet nature. Là, il y a un effet de bois. Et puis des petits papillons. Ils sont super irisés, mes petits papillons. Voilà, un effet bois. Même à l'arrière, tout simple, il y a juste l'effet bois. J'ai mis sur du cordon en organza, mais élastique. Il est de couleur bordeaux pour faire un petit rappel aux extrémités des ailes du papillon. Voilà. Et pour finir, la toute dernière création. Et bah, j'ai refait un dragon dans un tableau. Il est tout en noir et argent, ce petit dragon. Donc, du coup, ça ressort pas très bien la caméra. Mais à l'arrière, j'ai aussi fait l'effet bois pour faire l'encadrement en bois. Voilà. Un petit dragon. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de vous faire avec plaisir. Si je peux, je le fais avec plaisir, bien évidemment. Faut juste être patient parce que j'ai beaucoup de tutos en ligne, des tutos déjà tournés qui j'ai plus qu'à mettre en ligne. Donc du coup, ceux que vous allez me demander maintenant, ils seront pour plus tard, quoi. Mais ils seront faits quand même. Faut juste être patient. Voilà. Donc bref, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah voilà, c'est tout. On va couper court. Hein. J'ai rien d'autre à dire, donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!